Samuel Benchetri assume son passé. Dans les colonnes de Libération, il est notamment revenu sur la manière dont il a perdu sa virginité alors qu'il avait 18 ans. À l'époque, les travailleuses du sexe étaient appelées des horizontales. C'était une blonde magnifique de 40,50 ans, s'est-il souvenu. Ça n'a pas duré longtemps tandis qu'un chien aboyait au loin. Elle a refusé de m'embrasser, avant de se résoudre sur le pas de la porte, une fois, la passe effectuée, a-t-il encore confié. Mais ce n'est pas la seule fois qu'il a croisé cette femme dans sa vie. En effet, le réalisateur a eu la chance de la voir une nouvelle fois quelques années plus tard alors qu'il était avec son fils. D'ailleurs, celle qui lui a pris sa virginité a également sauvé la vie de son enfant. 10 ans après, j'étais à Pigalle pour acheter une guitare électrique. Mon fils, qui était tout gamin, a traversé sans regarder. Et une des tapineuses l'a rattrapé par le bras. C'était elle, a-t-il encore déclaré. Samuel Benchetri n'a pas de souci pour évoquer sa vie privée et ses relations sexuelles. Aujourd'hui en couple avec Vanessa Paradis, il était dans Quotidien lundi 21 septembre 2021 pour faire la promotion de son nouveau spectacle, Maman. Samuel Benchetri est à l'aise pour parler de ses relations sexuelles lors de la séquence de la playlist des invités, pour celle pour faire l'amour, l'ex de Johnny Depp a proposé le titre de Curtis Mayfield, So in Love. De son côté, le réalisateur a tablé sur la chanson de Survivor, Eye of the Tiger. Vous imaginez nos nuits d'amour? A-t-il poursuivi. De quoi faire rire sa compagne. Ça vous étonne Eye of the Tiger? A alors demandé Yann Barthès. Un peu, a-t-elle répondu. Bah pourtant si esti, a encore lâché Samuel Benchetri de quoi faire rire sur le plateau de TMC.